Mon maître. Oui, Balmany. Un dernier visiteur. Qu'il entre, mais je suis bien là. Justement, il a beaucoup insisté pour savoir si vous étiez là. En vrai. Entre, frère Babu. Ah, Charxaruf. Je viens du fond, du fin fond. Du fin fond, du fond du filet qui se tend pour te voir. Tu m'as bien vu? Alors repars le cœur content. Attends! Tu ne sais pas encore ce qui m'amène. Tu ne sais pas ce que je te veux. Tu ignores même qui je suis. Parle. Quel est ton nom? Je m'appelle Psaf. Augustin Psaf. Le frère Babu Psaf. Voilà qui je suis. Je ne vous ai rien caché. Mon seul désir est la vengeance, et vous le savez à présent. On vous a donc fait tant de mal. Voulez-vous regarder mon épaule gauche? Valmani. Oui. Découvre l'épaule du frère Psaf. Bien, mon maître. Ah! Bon sang! Quelle horreur! Ah, joli, n'est-ce pas? Et encore, vous n'avez pas vu l'affreux grougnache avec son œil de brute sadique brandir le cercle de fonte rougie à blanc? Et encore, vous n'avez pas entendu le grésillement de la chair qui éclate sous le fer? Et encore, vous n'avez pas senti la douleur dans votre corps, la honte dans votre cœur? Sinon, vous comprendriez ma haine. Assez, assez! Oh, je sais, c'est dur à entendre. Alors, vous pensez si c'est dur à vivre? Où avez-vous trouvé la force? Le désir de vengeance est un levier souvent plus puissant encore que l'instinct de conservation. Sans la pensée de les détruire, je serais moi-même déjà mort 100 fois. Je ne veux pas connaître vos mobiles, frère Babu Psaf. Mais je ne veux pas savoir ce qui vous a poussé vers moi. L'important est de savoir où vous voulez en venir. Ah, voilà. Je sais que vous possédez le goutte-gouze, le boudin sacré. Supposons un instant qu'au fête de Mastarapion, le 4 mai, un prophète à la longue barbe noire venu du fond du désert arrive à Yadupur en brandissant ce symbole indiscutable. Supposons que le Conseil suprême ne puisse pas expliquer pourquoi le goutte-gouze a changé de main. Ne pensez-vous pas, ô Charxaruf, que les Babus comprendraient où est leur véritable maître? Mais votre intérêt à vous dans tout ça? Me venger d'eux d'abord, vous servir ensuite. Vous avez confiance en moi? Quel intérêt auriez-vous à me tromper? Nous avons le même but, vous et moi. La même haine des Babus d'en haut. Et le même désir de ne pas mourir bêtement d'un accident subi. Vous êtes dangereux, monsieur Psaf. Comme tous ceux qui souffrent. Vous êtes fort, monsieur Psaf. Comme tous ceux qui pensent. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Hein? Oh, presque rien. Le maximum. Je m'arrange pour créer en votre faveur un mouvement d'opinion. Si la chance nous sourit, si nous devenons les maîtres, vous serez bien payé de mes peines, non? Sûrement. Alors? Alors avant tout, quittez le désert de Inini. Marchez vers la capitale en galvanisant la foule des Babus. Ensuite, agir. Vite, fort et bien. Avant le 4 mai. Compris, frère Babu Psaf. Balmany! Mon maître. Nous plions l'attente dès ce soir. Éteins les feux, range la vaisselle, fais les valises. Mais où allons-nous, ô mon sar? Vers des jours meilleurs, Valmani. La grande récompense. Je savais bien qu'un jour tu triompherais, Xarif. Et c'est pour ça que tu m'aimes, Valmani. On peut stopper ici, mon frère Clickmuff. Bien, mon frère Maclouf. Bonnerche. Ouais. Arrête l'auto-chenille. Bien, patron. Enfin. Nous y voilà, dans ce désert de Hénini. Monsieur Clickmuff. Qu'est-ce qu'il y a, Bonnerche? Ben, c'est pas que je suis snob, mais alors pardon, hein, vous parlez dans désert. Pas un arbre, pas un bistrot. Notre frère Maclouf nous avait prévenu. N'est-ce pas, frère Maclouf? Oui, le désert de Hénini est le désert le plus aride, le plus vide, le plus inhumain du monde.
Jadis, il en existait un autre, semblable à celui-ci, le désert de Lithias, en Hématurie septentrionale, mais il a disparu. Disparu? Oui, enfin, c'est-à-dire qu'on l'a transformé en parc d'attractions pour explorateurs égarés. À ce propos, je pourrais vous conter quelque histoire. Mon frère Maclouf, nous avons mieux à faire. Vous êtes bien certain que les Gougous se trouvent quelque part en cette immensité infinie? Il n'y a pas le moindre doute! Vous avez bien vu, comme moi, quand j'ai posé Coriolan, mon élixir Spiratus, sur la carte du Philekistron. Oui, je me souviens, il s'est arrêté sur le désert de Hénini et a émis son sifflement significatif. Donc, pas d'erreur possible! Le boudin sacré est dans ce désert! Oui, mais où exactement? Pour l'instant, je ne peux en dire davantage. Mais nous allons procéder avec méthode afin de déterminer la position. Il n'y a même pas une Vespasienne dans ce désert de malheur, et justement, j'ai envie... Grognache, tu n'as pas assez d'espace, peut-être? C'est que je suis pudique, patron, alors comme ça, devant tout le monde... Ça suffit, triple idiot, tu n'as qu'à t'y retourner. Bon, quand même, c'est pas correct. Assez! Bon. Vous disiez, mon frère Maclouf? Je disais que nous allions procéder avec méthode. J'ai dressé à cet effet une carte du désert de Hénidie. La voici. Ça ne nous avance guère. Cette carte est absolument nulle. Mais naturellement, puisque c'est le désert. Mais alors comment, dans de telles conditions, allons-nous pouvoir... En adoptant le même processus que précédemment. Avec l'aide des Coriolans? Vous y êtes, mon frère Grognache. Ouais. Vous avez bien pris soin d'emporter le portrait du Gougous. Ah oui, tenez, le voilà. Très bien. Montrez-le à Coriolan. Parfait. À présent... Je pose mon escargot inspiré sur la carte. Allez, va, mon petit, va. Cherche, cherche, va. Il s'arrête sans hésiter. Il siffle. Il ne bouge plus. L'expérience est positive. Le Gougous est là. Vous voyez? Je vois. Mais où c'est là? Pardon, mon frère Jacques. Je dis où c'est là. Mais là où s'est arrêté Coriolan. Oui, mais c'est où? Là où vous l'avez arrêté? Mais je ne sais... Mon frère Maclouf, j'ai la plus profonde admiration pour l'universalité de votre infinie connaissance, mais l'expérience ne résout rien. Enfin, comment? C'est pourtant clair. Mais ce qu'il est moins, c'est notre position par rapport au point indiqué par Coriolan. Elle est la même que celle de Coriolan par rapport au nôtre. Qu'est-ce qui trimballe le gars Maclouf? Grognache. Ouais. Voyons, mon frère Maclouf, ne voyez-vous pas que votre carte est illisible? Ma carte est-elle... Ah non, mais je... Ne vous fâchez pas, on peut la retourner dans tous les sens. Là, comme ça. Il n'y a rien de changé. Mais Coriolan n'a pas bougé. Non, mais la direction, elle, continue à demeurer inconnue. Nous devons aller dans la direction du point sur lequel se trouve Coriolan. Encore une fois, Coriolan indique un point, non la direction. Puisque les points cardinaux ne sont pas marqués sur votre carte. Put, c'est un simple oubli. Il appelle ça un oubli, moi j'appelle ça... Oh tiens, je le descends, patron. Et Grognache, à quoi ça nous avancerait? Pour nous résumer, Coriolan a bien trouvé l'endroit où est le Gougous, mais on ne sait pas où se diriger pour le rejoindre. Il faudrait trouver le nord. Eh bien sûr, mais comment? Puisqu'encore une fois, de quel côté qu'on retourne la carte, on n'est pas plus avancé. Bah, sur quoi elle est carrée? Conclusion, Coriolan ne nous est plus d'aucune utilité. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux et pourquoi pas de nous aider financièrement.